Je vous remercie. On annoncera le concert au Children Action. Merci pour... On va retrouver un peu partout dans le monde Patricia, qui fait une carrière très internationale. Mais d'abord, on va la retrouver avec Obispo, avec Goldman, car elle a travaillé avec François Bernheim, avec Guy Barbe-Olivier, on l'a vu tout à l'heure. Il y a également des chansons extrêmement importantes, comme La fille de l'Est, comme Il me dit que je suis belle, je voudrais la connaître, Ma liberté contre la tienne, ou Mon chercheur d'or. Ça, ce sont des chansons, entre autres, signées Obispo et Goldman. On voit ça. Merci, docteur. Merci d'être venu. Merci. Une fille de l'Est. Elle fait une fille. Une fille de l'Est. Non, elle a fait une fille, fille. Voilà, une fille de l'air. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Peut-être cette curiosité, ou enfin pour admettre et pour ne plus imaginer, où je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. En chantant, je m'emmerde. Donc, à mon avis, ça peut pas être avec beaucoup d'émotion. Hein. Non, le truc qu'on disait, c'est que la voix, la direction de la voix, c'était beau. Mais si le son de la voix est pas bien, ça sert à rien de chanter pour rien.
ma liberté contre la tienne. Ne seront plus si lourds d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne. Ma volonté, d'où qu'elle me vienne. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats. Depuis le début de l'émission, on s'aperçoit d'ailleurs que on s'est rencontrés souvent sur les plateaux de nos émissions de Champs-Élysées, de Star 90, de Faites la fête, dans Vivement Dimanche. Avant que j'oublie, il y a des images qui sont extraites de ces deux DVD là, Patricia Cass, Rendez-vous, et voilà. Oui, parce que c'est vrai que pour moi, le plus important, c'est la scène, parce que j'aime le contact avec le public. C'est pour ça que quand je vais en tournée, ben, c'est toujours très long, parce que j'aime ça, c'est là que je vis. Et c'est vrai que les studios, comme on a pu le voir dans le reportage, contrairement à ce qu'on peut penser, des fois c'est difficile, on est devant un micro, on vous dirige ou on ne vous dirige pas, il y a des jours où la voix ça va pas, il y a des jours où on réfléchit trop et on n'y arrive pas, et le lendemain on arrive et voilà, et ça se fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, là, moi je revis aussi un petit peu tout mon répertoire en images, bon là c'est plus, un peu plus... Mais moi je sais qu'à travers les chansons que j'ai pu interpréter ou les shows, si je les ai fait telles que j'ai pu les faire, c'est que ça m'a aidé des fois personnellement. Et parce qu'on traverse comme ça des moments où on vit sans sa maman, c'est difficile, on se cherche, on est perdu, on a besoin d'évoluer et d'apprendre à se connaître. Et pour ça, des fois, il faut se mettre des défis. Mmh. Et même si c'est un risque, pour moi, ma plus grande réussite, bien sûr, c'est d'être là depuis 15 ans et d'avoir ce public, parce que sans le public, on n'existe pas. Mais je crois que c'est d'être bien dans ma peau. Ça, alors, c'est ma... ce que les 15 millions de fans qui ont acheté tes disques, 15 millions quand même, ne savent pas toujours, c'est ce que tu représentes à l'étranger. Tu es la chanteuse française, une des chanteuses françaises qui vend le plus de disques à l'étranger. Je t'avais même d'ailleurs présenté en 1999 pour la première victoire de la musique qui récompensait la meilleure vente de disques à l'étranger. Voici donc Patricia, le succès considérable de Patricia Cass à l'étranger. C'est de bon augure pour le film de Claude, Now Ladies and Gentlemen, qui va aller dans le monde entier. Et j'espère pour Claude Lelouch qu'il y a tous ses fans au Maroc, à Moscou, à Bucarest, à Hanoï, qui iront voir ce film. Voici donc Patricia à l'étranger.